Et donc, ben, bonjour à tous. Déjà, si j'allumais mes feux, ça serait peut-être mieux. Alors, c'est mode 29 et on se retrouve sur ATS tout simplement pour une nouvel épisode comme tous les mercredis sur sur un conducteur aux États-Unis. Bref, c'est parti. Donc, bien sûr, on va y aller. Ça, je vais l'enlever. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, du coup, on part de. On part de. J'ai pas. Ah, si, voilà. On part de Las Vegas jusqu'à Barstow. Donc, c'est parti. On y va. Je vais juste mettre ça. Alors, c'est par où qu'on part? Par ici, je pense. Bon, je vais essayer de conduire un peu prévient. Ou même bien, parce que sinon ça sert à rien. Alors, du coup, on y va, c'est parti. Hop là, désolé. Donc on sort par ici, ok. Allez, c'est parti, on se lance. Y a personne, c'est bon. On y va. Donc, du coup. Ouais, mais oui, c'est pas grave. Alors. Bon, il avance ou quoi? Il a du mal, disons. Donc, bien sûr, on est dans un Peterbilt. Donc, du coup, on transporte du sable. Alors, normalement, on est attendu mardi à 14h. Il est 4h, donc ça va. Donc il nous reste normalement 4h de route. Donc on arrive mardi à 9h. Normalement on est prévu. La livraison est attendue pour 14h. Donc ça va. 65, donc on va se mettre là. 65 km/h, c'est parti. 65 mph. On va faire attention quand même cette fois-ci. Je vais essayer de me concentrer un peu plus. Pas comme d'habitude, parce que d'habitude j'ai tendance à ne pas regarder ma route. Et du coup, à me tromper dans la direction et dans le sens où je dois y aller. Donc, du coup, on va tout simplement faire gaffe à la route, au GPS et puis à la vitesse. Je sais que c'est beaucoup, mais. C'est beaucoup de choses à rappeler, mais bon, je vais essayer. Non, faut pas essayer, faut toujours le faire. Ça a rien d'essayer parce que si tu essayes, t'as pas. Ce qui est logique, hein. Normalement c'est ça. Il est toujours lancé, mais. Si ça lag pas, c'est bon. Mais il faudra que je le ferme. Allez. Oh, purée, ils avancent pas devant. Eh, c'est 65 miles, hein. C'est pas. C'est pas compliqué, bon sang. Bon, là, tu vas me laisser passer ou il va passer? Ah, il va être bloqué, donc. 80. Ouais, c'est bon, je peux me rabattre, d'ailleurs. Peut-être passer la vitesse, non? Pourquoi il lance pas? Mais normalement, je dois aller plus vite que ça. Ah, il y a que 12 vitesses. Les enfoirés.
Bon, moi, c'est un 12 vitesse, c'est pas un 18. Donc, tant pis, on va faire avec. On n'ira pas vite, mais non, c'est pas grave. Alors, normalement, comme c'est une mission rapide, on n'a pas besoin de dormir et pas besoin de faire d'essence dans le camion. Vu que c'est l'entreprise qui paye, ben, c'est pas grave. On fait jusqu'au bout. Normalement, il y a assez de temps, en fait. Il n'y a pas besoin, tout simplement, de recharger l'essence ou de faire dodo. C'est bon, ça passera. Et du coup, je vais remettre à 65 miles. Ah non, c'est 55 ici. Du coup, je vais me mettre à 55. 35. Tranquille. Voilà. Je vais garder mes feux parce que sinon, comme ça, je les oublierai pas. Parce que si on les oublie et qu'il fait nuit, ben, tout simplement, ça nous dit défaut de feu, allez. La remorque est lourde aussi, hein. Ça fait 18 tonnes quand même, ça fait quand même pas mal. Allez! Ouf. Bon, elle est avance ou quoi? Il a du mal. Hein. Il a du mal le coco là. Du coup, oui. Bah du coup moi j'ai des jauges hein, maintenant. Comme ça je vois combien je suis en essence. Et un contour. Et normalement je dois attendre un compteur pour les kilomètres ou les miles mettre sur le PC. Et qui marche dans ATS et dans Euro Truck. Donc forcément en fait j'utilise un petit logiciel qui est livré sur le site donc, qui s'appelle Sim Project. Où on peut avoir tout simplement des jauges et tout ça. Et moi j'en ai mis. Donc du coup j'ai une jauge pour l'essence, un contour et j'attends un compteur de kilomètres ou qui fait aussi les miles ou qui va être entièrement paramétré pour ATS comme pour ETS. Et donc leur logiciel forcément le plus ligne d'ETS, et eh ben je l'utilise pour ATS, du coup ça marche dans ATS et ETS, ce qui est formidable. Par contre là t'es à 65 donc fais gaffe quand même. Donc après, le premier camion qu'on essaiera de s'acheter, c'est le Kenworks W900 qui est sorti il y a pas longtemps de ça. Et on arrive. Et on arrive à l'entrepôt, donc c'est bon. Donc c'est quasiment là, c'est ça. Alors, mais bien sûr, moi je me mets en difficulté maximum pour les remorques. On sait où qu'on doit aller. Derrière là? Oh, je me suis perdu. Oh non. Ouais d'accord. Bon bah écoutez, le plus simple. Ah oui, il est tout petit. Par contre, je crois que le plus simple ça aurait été de carrément de rentrer en marche arrière par là quand même. Là ça va être la merde. Non, non, en fait ce que j'aurais dû faire. Ce que je vais faire. Cale pas, on t'a dit de pas te caler. Je sais même pas si je passe. Ah, le nez est long, hein. Je vais être obligé de faire une marche arrière comme ça, hein. Ça va être super.
Bon, on va jouer comme ça. Ça va être chaud, mais bon, on va le réussir. Allez, on y croit. Oh, ça passe. Allez. Eh, hey, pas mal. Mais on remarque sur vue extérieure aussi, hein. C'est un peu normal. Par contre, en vue intérieure, je suis pas sûr que j'aurais réussi. Hop, ça c'est bon. Alors, du coup, excellent. Et puis, donc, du coup, on gagne 90 points d'expérience et on gagne 2000 dollars, donc ça va. C'est formidable. Alors, du coup. Bah, je vais prendre une autre mission directement. Donc là, on est à Los Angeles. Non, 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 non. Où on était? Ah, Brastow. Donc, mission rapide de Brastow. Il est où? Alors, on a San Diego, Fresno, qu'on est déjà. Je vais peut-être aller à San Diego. Ah, ouais! Trop bien avec un Kenworks W900. Oh, le rêve. Allez, vas-y. Du coup, c'est le plus. Le mien, ça rapporte le plus. Il y a que ça qui rapporte le plus. Donc, je vais le prendre. Donc, comme ça, on va pouvoir le conduire. L'un des plus gros camions qui est dans ATS hein, en ce moment. Un petit Kenworks W900. Avec, bien sûr. Les bonbonnes d'air comprimé qui sont dehors, de filtre à air qui sont dehors. Et le superbe son. Bon, klaxon, ça laisse à désirer comme d'habitude. Pas mal. Non, franchement, celui-là, c'est un kiff de le conduire. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on part donc de Brastow donc jusqu'à San Diego, comme on a dit. De Brastow jusqu'à San Diego, 10 heures, donc temps restant 10 heures, revenu 3 millions, 3000. Donc, c'est parti avec le long nez du Kenworks W900. Y a-t-il du monde? Non. Allez, go! C'est parti. Par contre, j'ai plus de musique. Merci. Ça fait toujours un peu de plaisir d'avoir de la musique. Vas-y, moi pour moi. Il n'y a pas de feu, donc vas-y. Hop, tu me laisses passer. Merci. Donc juste avant le feu, et nous, on tourne ici. Avec notre long nez. Nickel. Allez, c'est parti. Zut. Hop, je m'insère. C'est bon. Ok. Hop. Il n'y a pas de pesée? Non, c'est bon. Ok. Passe pas trop vite tes vitesses non plus. Et ce qui est bien. Voilà. Ah, il la passe. À mon avis, il est en 12 vitesses. Il est pas en. Allez. Zut, 55. Moi, je suis con. Manière vaut mieux passer.
Oh, il a du cran. Donc celui-là, en fait, tant qu'on n'aura pas de camion, il y aura le GPS qui se mettra à chaque fois. Moi, j'ai pas besoin du GPS. J'ai ce qu'il faut pour me dire dans combien de temps il faut que je dorme et tout ça. Donc je m'en fous de ça. Et par contre, je mets le GPS intégré. Donc là, ils nous ont mis presque à la moitié du plein. Putain, mais ralentissez pas, les gars. Ah, 35, ouais. En effet. Je vais se mettre en deux parce que sinon, ça va être difficile de lancer le camion. Parce que vu les... Ah, quoi qu'on ait que 7 tonnes, donc ça va. Allez, on peut repartir à 55 miles. Est-ce que je peux me rabattre? Pas encore. Hein. Si, c'est bon. Le camion, il s'est arrêté. Non, je vais me mettre en 12 tranquille. Par contre, normalement, c'est 55. Ah, il n'y a pas le ralentisseur. Comment ça, il n'a pas le ralentisseur? Ah, il n'y a pas le ralentisseur hydraulique. Bon bah c'est pas grave, on va faire avec. On va faire sans du moins. Hop, je me rabats. Donc ici. Je vais attendre que... Quoi, que je démarre mon moteur peut-être, non? Voilà, c'est bon. Purée. Ah, il faut que je finisse ça là aussi. Hop. C'est 30 miles ici par contre. On va y arriver. 30 miles ou 48 ou 48 km/h. Hop, donc on sort ici, on re-rentre sur cette autoroute. Hop là, c'est reparti. Allez, donc on met notre clignotant pour dire qu'on s'en sert. Il va nous laisser passer, c'est bon. Hop, d'ailleurs c'est pas long, hein. Normalement c'est une petite mission. En espérant qu'il n'y ait pas de centre de pesée. De poste de pesée du moins. Mais normalement ça sert à rien d'avoir les limitations là-dessus. Mais je pense que c'est le moteur en fait comme il était en 12 vitesses du coup tout à l'heure. Parce que là il peut aller plus hein, je pense. Non, on verra mais... Un peu plus. Par contre il est pas en retardeur.
parce qu'il n'y a pas le retardeur. Putain, il avance pas lui. Je vais être obligé de le doubler. Ils sortent tous là. Je vais me remettre à 55. Pour pas me faire avoir avec avec les radars et tous ces trucs là. Voilà, il me reste un quart de mon essence, donc ça va. Les mers, il reste plus longtemps, hein. Il reste plus qu'une heure, 1h37, donc 1h30, 1h40, 1h20 quasiment. Pas de pesée, c'est bon. Ok, on trace. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de pesée juste après. Quoi. Donc il nous reste 10 heures avant de dormir, mais bon, c'est bon, ça passe. Alors, hop, non, on arrive quasiment, non, même pas une minute, même pas une heure. Il nous reste quasiment 50 km et 50 minutes, donc c'est kiff kiff entre les. Donc on arrive à 12h50 quasiment. Allez. Là, je vais pas aller plus vite, ça sert à rien. Je peux avec celui-là. Hein. Avec celui-là, je peux aller vachement vite. Hein. Mais bon. Ah bah tiens, on sort ici. En fait, il active pas le retarder tout seul. Vas-y, pour passer. Bon, y'a personne. On va attendre que celui-ci passe. Hop là. C'est bon. Allez, on y va. Donc San Diego découverte. Par contre, il faut faire gaffe au feu. Aïe. Et une petite voiture de flic. Voilà, tranquille. Blanc se met en 48 km/h ou 30 miles. On va attendre tout simplement que le feu repasse, bah, que le feu passe au vert pour nous. Ok.
Allez, c'est parti. Bah, du moins, on y arrive. Et donc après, eh ben, on a terminé notre petite épisode, et puis du moins la mission par la même occasion. Et c'est formidable. Alors espérons qu'on ait assez conduit, qu'on ait assez gagné d'argent pour tout simplement s'acheter, ben, faire un prêt de 400 000 dollars pour pouvoir s'acheter tout simplement le camion qu'on voulait. C'est-à-dire un Kenworks W900. Donc après, pour les garages, ben, on achètera au fur et à mesure les garages. Hein. Quand on gagnera de l'argent. Et du moins qu'on aura des missions qui nous donneront beaucoup d'argent. Zut, c'est pas grave. On peut passer par l'autre côté, non? Comment ça? Ça rejoint pas par là. Ah bah maintenant je suis obligé d'aller par là-bas, c'est malin ça. J'aurais dû passer par l'autre côté, bon tant pis. Allez. Ah ouais, d'accord, non, c'était plus simple de passer par là. Merde, tout droit, j'aurais pas pu en fait. Bon, la bitumen, ça y est, c'est parti. Allez, go, on tourne là. Bon, on va essayer de se garer en marche arrière. Alors avec un Kenworks comme ça, c'est même pas la peine. Elle est où ma remorque? Laisse tomber. Oui, bien sûr. Je crois qu'en vue extérieure, je vais y arriver, mais vue intérieure, c'est même pas la peine. Pas bon. Et je cale. Allez, concentre-toi. Tu peux y arriver. Non. J'ai failli l'avoir, mais bon. Non, je l'aurais pas comme ça.
En plus, le camion, c'est le camion en fait, il est trop long à tourner. C'est ça qui m'énerve, putain. Je vais pas y arriver. Hein. Je vais passer 3 minutes à le faire, celui-là. Putain. C'est pas tourné. Ouais, c'est même pas la peine. Hein. Oh, allez, vas-y. Gonfle. Gonfle-moi encore plus. Bah si, je suis bien parti ou pas? Il tourne pas. Je suis pas à mon avantage avec ça. Putain, j'arrive même avec celui-là. En fait, il tourne pas. Bien. Là, je devrais y arriver. Putain. Ouais, laisse tomber. Ah. Je l'avais. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y. Excellent. Bon, tant mieux. Passe pas au niveau 3 encore. Bon, on verra la semaine prochaine. Alors attendez. Attendez. Non, on est toujours à 100 000. On peut pas encore avoir les 400 000. En fait, je peux emprunter que 130 000 pour l'instant. Donc on verra. Donc on verra ça ben, pour une prochaine fois. Du coup, il faudra que je choisisse une autre mission. Et on verra ça la semaine prochaine. Donc, du coup, portez-vous bien. N'oubliez pas les petit pouce bleu, de vous abonner et bien sûr les petits commentaires qui font toujours plaisir. Allez, ciao ciao et à demain pour du Farming 15 et vendredi pour du Farming 16. Allez, ciao ciao et à la prochaine.